Dame, dame.皆さんお元気ですか？私はやすかです。今日も一緒に日本語を勉強しましょう。さて今日は後ほどハ行のカタカナホの書き方を勉強します。カタカナのホから始まる単語ホワイトデー、何の日かご存知ですか？3月14日バレンタインデーにチョコレートをもらった男性が送り主の女性に飴やマシュマロなどをお返しに送るという日。おそらく日本特有の習慣です。そう、日本のバレンタインデー、サンバランタンは宗教上の背景とはあまり関係のない、女性が男性にチョコレートを送って愛を告白する日として認識されています。意中の男性に送るチョコレートが本命チョコ、ショコラ・デュ・フォン・デュ・コーラならば、男性の友達や会社の同僚、上司にとりあえず社交辞令で送るのが義理チョコ。義理はオブリガションの意味。もちろんそのチョコレートに恋愛感情はありません。日本には日本特有のお祭りもありますが、欧米の宗教的な祭事も文化の一部として定着しています。例えばクリスマス。クリスマスは日本では休日ではありませんが、一応特別な日。商業施設や目抜き通りには素敵なイルミネーションが灯され、クリスマスツリーを飾ってケーキや特別な食事でお祝いをする家族もあります。また友達同士で集まってパーティーをしたり、カップルには2人で過ごすロマンチックな機会となっています。ハロウィンは変装した子供が各家庭を回るというよりは、大人も変装して集まって騒ぐというお祭りになりつつあります。2014年は渋谷で仮装した人たちが大騒ぎをし、総勢200人の機動隊が出動、逮捕者も出たほどの大混乱となりました。今後イースターなども日本に定着していくのでしょうか。チョコレート会社の嬉しい悲鳴が聞こえそうです。さてお話はこれぐらいにして、今日の一文字ホの練習を始めましょう。ホは4本の線が必要です。1本目は横線、2本目は1本目と交差する縦線です。3本目は左側に小さい斜め線、4本目は右側に小さい斜め線。もう一回、横線、縦線、斜め線、反対側にも斜め線です。複雑ですね。しっかり練習してくださいね。次回からは魔行を練習します。では次のコーナーをお楽しみください。ごきげんよう。Aujourd'hui, nous allons revoir les 5 katakana que vous avez vus à Kaska. Ha, hi, hu, he, ho. À vous de retrouver leur lecture. Maintenant, exercice de lecture. Arrivez-vous à déchiffrer les mots suivants?
Exercice suivant. Quel est le bon ordre de tracé du caractère HO? Tracé numéro 2. La prochaine fois, vous allez débuter la série d'Emma. Gambattene! Et si on allait plus loin dans Nihongo ga Deki Masuka avec le reportage sur Dragon Ball Xenoverse? J'ai choisi cette émission pour vous parler d'un mot très utilisé en langue japonaise, wake. Écoutez ce passage. Wake s'écrit avec le kanji suivant. Il possède plusieurs sens. Tout d'abord celui de raison, logique. Par exemple, wake no wakaranai hito desu. C'est quelqu'un d'incompréhensible. Un deuxième sens de wake est celui de sens, signification. Par exemple, anata no yukoto no wake ga wakaranai. Je ne comprends rien à ce que tu dis. Wake signifie également raison, circonstance, les tenants et les aboutissants. Kore ni wa wake ga arimasu. Il y a une raison à cela. Voici pour les trois sens principaux de wake quand il s'utilise seul. Mais wake s'utilise également intégré dans de nombreuses structures grammaticales. Celle qui est utilisée dans notre extrait est wake de wanai. Pendant négatif de wakeda. Étudions tout d'abord l'utilisation de wakeda ou wakedes en forme polie. Wakeda se place en fin de phrase. Cette formule permet d'exprimer une conclusion logique, une conséquence naturelle. Par exemple, nami ga takai wakeda, taifu ga chikazuite irunda. C'est normal que les vagues soient hautes, le typhon approche. Wakeda permet également de donner à une phrase une nuance d'explication. Kanojo wa byouki dakara, kaigi ni wa derarenai wakeda. Comme elle est malade, elle ne peut pas venir à la réunion. Littéralement, elle est malade, c'est la raison pour laquelle elle ne peut pas venir à la réunion. Wakeda peut aussi s'utiliser en version négative, wakede wanai. Placée en fin de phrase, cette formule permet d'exprimer l'inverse d'une conclusion logique. Bien que les éléments indiqués dans la phrase peuvent faire penser à une conclusion logique, il n'en est rien. Reprenons l'exemple précédent, mais en remplaçant wakeda par wakede wanai. Kanojo wa byouki dakedo, kaigi ni derarenai wakede wanai. Elle est malade, mais ça ne veut pas dire qu'elle ne peut pas venir à la réunion. Wakede wanai permet également d'exprimer une idée opposée à l'idée communément admise. Nihongo ga muzukashi toyu wakede wanai. Contrairement à ce qu'on pense, le japonais n'est pas difficile. C'est d'ailleurs l'expression wakede wanai, prononcée wakejanai à l'oral, qui est utilisée dans notre extrait. Réécoutons-le. Le producteur de Dragon Ball Xenoverse, Hirano Masayuki, dit que bien que de nombreuses infos aient déjà filtré à propos du jeu, tout n'a pas encore été dévoilé. Wakejanai ou Wakedewanai permet de démentir une idée qui semblait admise. Notre petit wake peut s'utiliser dans bien d'autres expressions, mais pour ne pas vous bourrer le crâne aujourd'hui, on va s'arrêter là. Matane !